comme ça. D'accord. Non, au Canada, oui, directement. Ah, d'accord. Vous allez bien? Bah oui, et vous? Bonjour. Bonjour. Albert Rust, entraîneur d'équipe. Oui, oui. Je tiens déjà à vous féliciter pour la saison que vous avez faite avec notre équipe nationale, mais aussi dans vos clubs. Vous donnez une image extraordinaire du football féminin. J'arrive à du football tout court. Les commentaires partout sont élogieux. L'équipe de France va mieux, les jeunes vont mieux, le championnat a un peu plus d'allure. C'est plus difficile parce qu'il y a 34 clubs qui sont un peu au-dessus ou aux 3. Mais franchement, vous allez dans toutes les compétitions européennes, franchement, parfaitement bien joué. C'est une période où on a énormément besoin de soutien. Et puis au nom de l'équipe de France féminine, en mon nom et au nom du staff technique et médical, je vous remercie encore une fois. Merci. J'ai fait un rêve, moi, cette nuit, que début juillet, je me rendais au Canada avec le président de la République et Patrick Kanner, puisque le président de la République vous l'a promis, qu'il viendrait assister à la finale de la Coupe du Monde. Donc, quand on fait un rêve comme celui-ci, après, on aime bien que ces rêves deviennent réalité, et c'est plus nous, et c'est vous, qui devez nous remplir de joie que ce rêve se réalise. Alors, je voulais vous le dire vraiment, qu'on compte sur vous, et qu'on a confiance en vous. Je crois que le foot féminin dans ce pays, depuis des années, suit une ascension fulgurante. J'ai même vu l'autre jour les succès extraordinaires médiatiques de la finale du Paris Saint-Germain, puisque je crois qu'il y avait plus de 3 millions de téléspectateurs à la fin du match. Donc il y a un engouement, et vous devez, répondre à cet engouement en nous permettant enfin de lever pour le foot féminin une Coupe du Monde. Vraiment, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et je voulais simplement, pour conclure, vous dire une chose. Retenez bien cela. J'ai la certitude que vous en avez les capacités. On a beaucoup de fierté avec Thierry. Que si tout va bien, nous serons là tous les deux pour voir votre finale. Le 5 juillet, vous mettez la pression, c'est ça, hein? Non, pas du tout. Et que quoi qu'il arrive, on y sera, parce qu'on souhaite aussi recevoir le feeling qui est le vôtre, et surtout le filage de la future Coupe du Monde qui aura lieu en France en 2019. Je voudrais vraiment féliciter le président de la Fédération française. Avec Thierry, je crois qu'il s'associera à ses remerciements pour la qualité du dossier qui nous permet de recevoir cet événement qui prend un tour exceptionnel. Si on est là avec deux ministres aujourd'hui, le président de la Fédération française, c'est pour vous dire tous les espoirs que nous portons dans le succès qui sera le vôtre au Canada, et surtout dans l'espoir que vous allez encourager beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes à rentrer dans ce sport par votre exemple. Et que vous êtes pour nous une très très grande fierté. Merci à tous. Merci beaucoup, mesdames.